les nouvelles collections de maillots de bain sont arrivées et avec elles les matériaux de demain plus sophistiqués. Protection UV, séchage rapide ou encore résistance au chlore, tout est fait pour séduire les clients. Quelqu'un qui veut nager, ce qui est important, c'est d'avoir une réponse à son besoin d'usage. Donc on a besoin de résistance au chlore quand on fait de la natation. On a aussi besoin d'avoir un maillot qui sèche rapidement. Par contre, ce qui est important, c'est de se sentir bien dans son maillot de bain, d'être confortable dans son maillot et de se sentir à l'aise pour pouvoir nager facilement. Mais la grande tendance de demain, c'est surtout le maillot de bain écolo, plus respectueux de l'environnement. Ce tissu, par exemple, est réalisé en filet de pêche recyclé. Le maillot de bain du futur, c'est un maillot de bain qui réunit deux atouts surtout. Le premier, c'est d'être éco-responsable, d'être fabriqué dans un circuit court pour avoir un minimum d'empreinte carbone et fabriqué à partir de matières recyclées ou biologiques. Et c'est également un maillot de bain qui peut être porté par tout type de femmes. L'idée, c'est vraiment de porter de s'offrir une belle pièce qu'on pourra garder pendant des saisons et des saisons parce qu'elle est intemporelle. Les industriels espèrent ainsi surfer sur la bonne tenue du marché. En 2018, 11,5 millions de maillots de bain ont été vendus, soit une hausse de plus de 5% par rapport à l'année précédente.